Hey, c'est-tu vrai que les roues, on est roues partout, toi, tu... Non. Ouh. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Saint-Jérôme. On est ici pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire de leur été, leur projet, s'ils sont célibataires, s'ils ont envie de se mettre en couple. Bref, bienvenue au show! Et Rick, comment vas-tu? Ça va. Rick, il fait beau, commence à faire chaud. As-tu des projets pour cet été? T'as-tu peut-être aller au Guissette d'eau, manger un cornet, c'est pas? Ma femme à Reims. À Reims de femme? Oui. Quel genre de femme, toi, Rick, qui te plaît dans la vie? Moins épaisse possible. Parce que tu aimes les femmes? C'est grosse, Rick, c'est ça. Oui, parce qu'elle aime le manger, faut qu'elle aime me manger. En compagnie de Alicia Keys, version trop pris d'eau. Comment ça va? Ah, moi, ça va, je suis le speed à côté, man. Ça va tellement bien, là. C'est comme, hier, je mange plus. C'est comme, il y a des pushers sur la rue. C'est comme, je suis tellement bien, là. Moi, là, tu me donnes une mouche d'aussi partie que sur une ice. C'est surtout vanille, là. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Je pense que j'ai pris trop de speed, là. Je pense. Non, mais moi, sérieusement, c'est mon nom. Je pense à qui, puis à ma nez. Moi, à chaque qui, moi, je me sens bien ici au Canada. J'aime bien ça, tu sais. Je parle même, je connais, t'as chanté une tension. Une tension, la mot du somme, je l'assomme, non, coupé. Bonjour, c'est parti. Tournes-tu vraiment? Là, je sais pas. Des projets pour cet été, peut-être une activité qui vous tente, que peut-être ça fait longtemps que vous aimeriez faire quelque chose? Glissade d'eau. Glissade d'eau. Glissade d'eau. Ouais. La glissade d'eau aussi. Oh, oh, on sent peut-être une énergie entre vous deux. Ouais. Est-ce que vous sortez ensemble, la fois, vous autres? Non. Non? Est-ce que vous aimeriez ça, sortir ensemble? Non. Pourquoi? Je suis gay. Pour vrai? Oui. OK, je suis... Rich, célibataire ou en couple? Célibataire depuis pas longtemps. Célibataire depuis pas longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé, Rich? Il s'est passé beaucoup trop de choses qui ont nui. Il l'a trompé? Ouais. Pour vrai? T'es un salaud. Ouais. Pour vrai, tu l'as trompé? Ouais, je l'avoue, mais ça a pu recommencer. Ne faites jamais ça, les gars. T'as-tu belle la fille au moins? Ça valait-tu la peine ou? Je dirais rien, là. Sans commentaire. T'es grosse? Non. Ah, c'est beau? Ouais. Fait chaud? Ouais. Ah! Ça va bien? Bonjour! Bonjour! Hey, le beau temps est arrivé. As-tu des projets pour cet été, toi, mademoiselle? Oui, je vais travailler dans un 4 jours. À Bouvrette, pour le proche d'ici. Ah! Bonjour! Bodo. Ça va bien? Oui, premièrement, es-tu en couple? Es-tu en couple? Non. Non, célibataire? Ouais. Comment ça? Je pogne pas. Ah, tu pognes pas? Je sais pas, je suis pas assez beau pis je parle trop sur le bout de la langue. Ben voyons! Un bonjour! Ah! Ça va bien? Merci beaucoup! Tu vas bouger de... Ben c'est... C'est sûr que dans la vie... Ah! C'est sûr que dans la vie, il y a bien des affaires, il y a des choses difficiles puis il y a des choses moins faciles. Mais là, le beau temps est arrivé, t'es-tu content? Ouais. T'as-tu des projets pour cet été, peut-être faire du camping à la pêche? Moi, non. Moi, juste me promener comme ça suffit, fait que... Je viens de rencontrer un chum d'enfance, un frère, un ami, un homme pour qui je vais toujours être là dans la vie, mon chum Dominique Laforge qui est là. Salut bro, ça va? Oui, ça va bien. OK, raconte-nous la fois que j'ai craché dans ton Oreo. As-tu des projets pour cet été, toi, Francis? Ben, faire le max de cash possible n'importe comment, là, faire les contrats de porte-à-porte, peu importe la job, il n'y en a pas tant que ça, mais en tant que tel, il faut que tu te débrouilles par toi-même ici, parce que là, le temps, il est déjà arrivé, là, fait que là, je veux bouger mon cul, je veux faire l'argent pour payer ma claustro, traiter plus la ville, puis prendre les pompiers, les affaires de même, faire du cash, là, puis tout le temps, là, parce que là, ça prend aujourd'hui un revenu, je veux une bonne job, là. Ça je veux faire. Ouais, c'est ça, c'est important de ma job, tu sais. Ouais, mais... Non, c'est pas... Ça me tente pas d'aller faire préposer bénéficiaire, là, tu sais, je sais pas quoi, là, aller virer... Torcher des culs, maintenant. Non, ça me tente pas, là, tu sais, il va pas dedans, là, je sais pas, là. Bon, oh, mais c'est un beau métier, pareil, ça. Je suis des fesses. Est-ce que t'as des projets pour cet été, des activités ouais, ou quelque chose que t'aimerais faire? Des projets, c'est de sortir, parce que j'avais sorti un maudit poste libre, là. C'est comme j'essaie de m'en sortir, t'sais, c'est comme je cours après 3-4 voleurs, ils sont dans le même étage que moi, t'sais. Fait que là, je pense souvent à monter de grade, là, t'sais, comme aller chanter ailleurs, comme Nouveau-Brunswick. Ah, oh, parce que tu chantes? Ouais, est-ce que ça te tente de me faire un petit extrait pour nous? Ça te tente-tu? J'aimerais vraiment ça. Twinkle, twinkle, little star, I don't know who you are.
OK, ta gueule. Les activités peut-être cet été, mon cher monsieur. Moi, j'aime bien faire du rollerblade, j'aime bien manger un cornet. Pis ça, Ma sound dedans. Et vous avez deux lignes oranges dans le front, monsieur. C'est quoi ça? Êtes-vous marié? Non. Des enfants? Oui. Combien? Un. Un gars? Ouais, il s'est pendu. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. C'est une joke que je suis avec une grosse dans ta vie, toi. Non. Ça te fait rire? Mais je sais pas, c'est quoi ta question? Non. Une grosse rousse? Des brunes. Des blondes, j'aime bien, moi. J'adore les blondes, moi. You speak French? Bonjour. Bonjour. You speak what? Non. Moi, Jacob, souvent, je me fais poser des questions dans la vie. Hey, est-ce que tu dirais que les roues, on est roues partout, toi, tu... Non. Hein? Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai quoi? Toi, Jacob, est-ce que en bas, c'est... En bas? Ben, en bas, là, je veux dire, après l'équateur, en bas. Après l'équateur? Brésil. Ah, OK. Hey, c'est deux pénis qui s'en vont au cinéma. Il y en a qui... J'ai toujours rêvé d'avoir un gros grain de beauté dans le front, direct dans le milieu un peu, c'est... Ah, ça. Est-ce que c'est vrai que les Noirs, vous avez des gros pénis? Ben, c'est la légende, puis j'affirme, là. Pas ça, mon chum? Non, Zandane. C'est une bonne Zandane, Amir. Est-ce que vous avez des activités pour cet été, peut-être, voir vos petits-fils? Des activités, peut-être, d'aller à la plage ou... Pardon! Tic GA, c'est le fun. Non. Une autre question que je me fais poser des fois, est-ce que c'est vrai que les roues, on est cochons, Jacob, là? Tiens-moi, là. Non, c'est pas vrai que les roues, on est cochons. OK, ça a-tu une fin ou je te saute à la gorge tout de suite, Jacob? Je sais pas. C'était ça, cette mini d'entrevue. On salue la caméra tout le monde. Et voilà! Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir écouté le premier Vox Pop de la chaîne Partagé.tv. Aujourd'hui, nous étions dans la magnifique région de Saint-Jérôme. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à partager et à liker le site de Partagé.tv. Merci beaucoup. On se revoit au prochain Vox Pop. Je vous aime.